La parole inspirée, un moment de partage privilégié sur Pactol TV. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Parole inspirée à partir de Djoubourg avec moi, Mama Dorcas Divine Lenvo. À la caméra et à la régie, nous avons mon frère à moi, un frère que j'aime beaucoup, le frère Seth Sumbu. Et aujourd'hui sur ce plateau, nous allons aborder un sujet qui crée un peu beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup des enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous avons choisi de parler de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire des dieux? Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne a la gloire des dieux? Est-ce parce que la personne a une voiture? Est-ce parce que la personne là a beaucoup d'argent ou quoi? Alors nous voulons à travers cette émission que le peuple des dieux puisse comprendre ce qu'est la gloire des dieux. Et nous avons un privilège aujourd'hui de recevoir un homme qui vient tout droit de l'Europe et il est venu uniquement pour nous bénir. Il était ici et puis il est encore ici avec nous au sein de Djoubourg et à l'église du pasteur Alphonse, là où ils ont abordé aussi un sujet que si vous croyez, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Alors on a voulu profiter pour savoir c'est quoi au juste la gloire des dieux. Alors je vais vous demander de rester connecté juste après ces breaks pour recevoir et pour que nous puissions ensemble avec vous recevoir mon invité d'aujourd'hui. Alors restez branchés. Kola mwasi oyo akotanga makila mbula zomi zomi na mibale ngai na pusani pembeni na yo na simbelamba na yo nganga nzambe mokondi salelanga ngolu Nasina luki, nasina lemi. Ea, 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 yesu, ea, ea, yesu, ea. Loko la mwasi ankunki na kati eklesia, mbula zomi. Merci à mon frère Seth Sumbu pour cette mélodie que je sais que beaucoup d'entre vous à la maison vous avez aimé et vous avez beaucoup beaucoup apprécié. Comme j'avais dit avant que nous puissions souffler un peu avec la musique, que nous sommes ici aujourd'hui, je ne suis pas seul, à part mon frère Seth, j'ai encore un invité de grande marque, une personne que beaucoup d'entre vous déjà connaissent, mais une personne qui est un homme de Dieu, loin et béni de Dieu, un homme de Dieu qui garde encore cette image-là, l'image que nous tous, enfants de Dieu, nous cherchons et nous désirons avoir des gens comme celle-ci, comme celui-ci, comme étant de modèle. Alors je vous demande ensemble avec moi de découvrir qui est cet homme que nous avons reçu aujourd'hui. Bonjour papa. Bonjour sœur Dorcas. Divine Lembo. Si vous pouvez juste vous présenter. Je suis dans la joie. Je suis le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu. Nous sommes basés à Lille, plus précisément dans la ville de Roubaix, en France. Et nous avons une branche à Paris, précisément à Aubervilliers. Voilà, donc j'étais invité ici en Afrique du Sud par le pasteur Alphonse Mavambou de Faith Ministries, un homme de Dieu qui m'a surpris ici avec toute une cargaison des hommes de Dieu. Je ne savais pas que je venais
prêcher aux enfants de Dieu ici. Donc voilà. Voilà pour ma présentation. Donc je viens de l'Église universelle de Dieu. Je suis le pasteur senior de l'Église universelle de Dieu en France. Et nous avons notre assistant qui fait un bon travail à Paris, le pasteur Sami Dingituka. Papa, juste pour plus encore des précisions, est-ce que le pasteur Victor est marié, célibataire, père ou comment? Pasteur Victor Makonda est marié à Elisabeth Emmanuel Makonda. Ma femme, elle est nigérienne. Nous avons ensemble 8 enfants, par la grâce de Dieu. Et nous avons des enfants, une qui s'est mariée il n'y a pas longtemps. On a aussi des enfants qui sont à l'université, d'autres en secondaire qui vont faire présenter leur bac cette année. Voilà, par la grâce de Dieu. Nous profitons de saluer toute la famille de l'Église universelle à Lille et puis en France. Nous vous saluons ici à partir de Djobo, toute mon équipe de Pactol TV Johannesburg. Nous vous saluons et nous vous disons que la paix du Seigneur soit vraiment, vraiment avec vous. De nous avoir donné cet homme, en tout cas, c'est un privilège. Merci beaucoup, papa. Papa, j'étais ici le vendredi, le samedi, et vous étiez en train de parler sur « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Mais moi, je voulais juste que nous puissions aborder d'abord ce sujet pour savoir qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu. Alors, j'ai été très flatté par ce sujet. D'abord, je voudrais vous remercier aussi parce que vous avez fait un bon travail dans... Quand vous m'avez interprété, je m'étais dit, ça c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment, vous êtes une bénédiction pour l'Église corps du Christ. Amen. Parce que parler couramment anglais comme ça, et comment vous nous avez interprété, c'était vraiment la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, c'est un sujet, comme j'avais dit pendant la conférence, c'est un sujet tellement vaste. C'est un sujet tellement vaste. Alors, nous pouvons, pour aller carrément dans le vif du sujet, nous pouvons définir la gloire de Dieu de plusieurs façons. Quand vous regardez dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est défini en plusieurs façons. Si nous considérons, par exemple, la gloire de Dieu en tant que doxa en grec, doxa en grec veut tout simplement dire la majesté de Dieu. La majesté de Dieu, ça veut dire le niveau le plus élevé de Dieu. Alors que quand on va parler de Shekinah, Shekinah, c'est la présence, la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors, au regard de toutes ces définitions, nous voyons que la gloire de Dieu est déjà dans l'homme. La gloire de Dieu est déjà dans l'homme. Alors, le fait d'être créé à l'image de Dieu, ça c'est ce que tout être humain devrait savoir. Le fait d'être créé à l'image de Dieu, tout individu créé à l'image de Dieu représente déjà la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne va pas chercher quelqu'un d'autre pour manifester sa gloire. Quand vous voyez le Moïse devant Pharaon, la Bible dit, va dire au peuple d'Israël, le « je suis », c'est-à-dire Dieu lui-même, pour manifester sa gloire à Pharaon, devrait utiliser une personne, Moïse. Donc, Moïse représentait la gloire de Dieu. Donc, tout être humain, à partir du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu représentes déjà la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu est d'ailleurs manifesté par la présence d'ailleurs du Saint-Esprit dans quelqu'un. Alors, moi je suis estomaqué de voir au jour d'aujourd'hui, comme j'avais dit pendant la conférence, beaucoup des hommes de Dieu qui vont courir après des féticheurs, des magiciens, entrer dans des mondes kabbalistiques, aller chercher la gloire. Aller chercher la gloire. Je suis désolé de le dire devant le média, mais un homme de Dieu, lorsqu'il est appelé par Dieu, il n'a pas besoin de chercher la gloire à Dieu. Moïse, regardez l'exemple de Moïse. Moïse,
Moïse va grandir dans la maison de Pharaon de 0 à 40 ans, s'il vous plaît. Quand on parle de Pharaon, on parle presque de la magie. C'est un magicien. Donc, cette personne va grandir dans cette culture-là, pharaonique. Et quand Dieu va l'appeler, il va choisir cet homme-là pour venir maintenant représenter la gloire de Dieu. Mais je suis désolé de dire que Moïse n'est pas retourné encore chez Pharaon, chercher le binzambinzambi de Pharaon, pendant qu'il était en train de travailler pour le Dieu d'Israël qu'il a appelé. C'est-à-dire, une autre façon de le présenter encore, Dieu va choisir Jérémie. Il dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'ai choisi pour que tu sois prophète des nations. Et regarde bien dans Jérémie chapitre 1, verset 1 jusqu'à 10. Dieu va dire quoi à Jérémie? N'aie pas peur. Dieu va faire quoi? Il va oindre la bouche de Jérémie. Comme pour dire que tout ce que Jérémie dira devant ceux qui sont même plus grands que lui. Il représentait déjà la gloire de Dieu. Jérémie n'a pas cherché de féticheur ici et là. Il dit, je te donne comme mission d'aller abattre, d'aller déraciner, d'aller détruire. Mais tu vas, un homme comme ça, tu vas chercher encore la gloire dans le monde. Non, mais oh, on va où? Alors, merci vraiment pour cette émission. C'est pour réconscientiser les hommes de Dieu qui entendent le son de ma voix. Nous avons déjà la gloire. Nous avons déjà la gloire que Dieu a déposée dans chaque homme de Dieu. Et ce que je voudrais conseiller auprès des hommes de Dieu, la Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 48, je pense au verset 6, si vous lisez ça, bien-aimé. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Non. Je disais hier dans la conférence que la gloire Shekinah, c'est-à-dire, Dieu va dire d'ailleurs ceci, dans la prière de notre Père, on va dire que le règne, la gloire, la puissance lui appartiennent pour les siècles de siècles. Donc, cette gloire-là, elle est permanente. Elle est éternelle. La gloire de Dieu, elle est permanente. Elle est éternelle. Et c'est cette dimension de la gloire-là que l'homme ne peut pas avoir. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. L'homme est passager sur la terre. Lorsque vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, vous verrez, Dieu est en train de faire la différence entre la gloire qu'avait Moïse. Dieu est en train de dire que lorsque Moïse montait à la montagne et lorsqu'il descendait, Moïse était... Personne ne pouvait regarder son visage tellement... Ça éclatait de gloire. Mais la Bible dit quoi? Lorsque vous descendez un peu, vous dites, la Bible dit, puisque Moïse est un homme vulnérable par rapport à la mort, la Bible dit que cette gloire-là était passagère. Et si vous lisez au verset, je pense au 8, la Bible dit, à combien plus forte raison, le ministère du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit est plus glorieux que la gloire qu'avait Moïse, qui est une gloire passagère. Alors, qu'est-ce que on veut, quand on dit le ministère du Saint-Esprit est plus glorieux, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Qui connaît l'âge du Saint-Esprit, comme j'avais dit pendant la conférence? Personne. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. On revient à cette phrase qui dit que le règne, la gloire, la puissance lui appartient pour les siècles de siècles. Voilà. Or, l'homme sur la terre n'a qu'une gloire passagère.
Et c'est là d'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons Jésus. Quand il est venu sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre, nous allons remarquer que Jésus lui-même, 100% homme, 100% Dieu, mais la partie homme avait une gloire passagère. Pourquoi? La Bible dit, lui qui avait la gloire là au ciel, quand il est descendu, puisqu'il était comme un homme, même un soldat romain pouvait jouer avec lui les chicotés. Vous voyez? Donc, la gloire d'un homme, ici, elle est passagère, et puis, elle est en dents de scie. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Je vous donne un exemple. Vous allez voir Jésus en tant qu'homme, dans Matthieu, chapitre, je pense, 4, lorsque Jésus va commencer son ministère. Jésus était connu, pas par son baptême, hein? Ouais. Non? Jésus n'était pas connu par rapport à son baptême. Mais papa, il y avait des gens qui étaient témoins au jour du baptême. Les jours de baptême, il y avait Jean-Baptiste, ouais, et Jésus dans les Jourdain. La Bible dit ceci dans Matthieu 4, que Jésus, il a commencé à enseigner le peuple. Après avoir enseigné le peuple, c'est là maintenant que la Bible dit, il va commencer à faire quoi? À faire de village en village. Et qu'elle va faire, je pense, Matthieu 4, verset 23 par là. Alors, il va aller de village en village, il va commencer à faire des miracles, de guérir les gens. Regardez la gloire. La Bible dit, si vous lisez bien ce passage-là, on lui amenait tous les gens qui souffraient de maladies de toutes sortes. Et après avoir guéri ces gens-là, la Bible dit, sa renommée, vous voyez la gloire, sa renommée s'est accrue. À cause de l'accomplissement, voilà, des choses qu'il faisait. Sa renommée s'est accrue. Effectivement, la gloire ramène toujours une renommée. Vous voyez? Mais après, on va voir quoi? On va avoir un Jésus-Christ affaibli aussi. Il était chicoté. Il était insulté. Les pharisiens, les sadducéens... Vous voyez, tous ces gens-là n'étaient pas d'accord avec lui. On va avoir un Jésus vraiment négligé, tout simplement parce que il était homme. Donc là, on comprend que la gloire de l'homme sur la terre est passager. Et passager, alors... Et en temps de scie aussi. Ça peut monter et s'y descendre. Voilà. Est-ce que pas ça, vous ne trouvez pas que c'est la raison pour laquelle on voit les hommes de Dieu aujourd'hui qui va pour toucher au fétiche ou quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter tout simplement le bas là. Quand c'est le bas, les choses deviennent un peu compliquées. Une personne qui était connue, qui pouvait rassembler de masse et de masse et de foule. Et subitement comme ça, il se retrouve que même pour rassembler 100 personnes, ça devient un peu tellement compliqué. Et il s'est dit, non, je dois trouver une force qui est un peu supérieure selon lui, et il s'est dit que je puisse trouver refuge auprès de Sangomas, de fétichères et tout consort. Alors là, c'est une erreur grave. Erreur grave. Je conseillerais à tous les hommes de Dieu qui nous suivent dans cette émission de ne plus oser le faire. De ne plus oser le faire. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17. La Bible dit ceci, au verset 22, « Je leur ai donné la gloire. » Là, Dieu s'adresse aux disciples. « Je leur ai donné la gloire. » Et d'ailleurs, la gloire, ça pèse. Aujourd'hui, l'Église, ça, je donne une autre définition de mot « gloire ». Ça signifie « kabod » en hébreu. En tant que « kabod » en hébreu, ça signifie « poids », ce qui pèse. Ce qui pèse. Alors, ce qui pèse, ça a deux sens. C'est-à-dire, c'est une valeur incommensurable, tellement ça pèse lourd. C'est-à-dire, quand tu es un homme de Dieu, reconnu par Dieu, comme des Jérémie, Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère, et il t'appelle pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur. Tu dois
peser dans la société. Parce qu'il t'envoie une mission. Il t'envoie pour aller manifester ce poids-là. Cette gloire-là de Dieu. C'est-à-dire, les gens doivent vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà. Et là, quand toi, maintenant, tu laisses cette gloire-là, hein, tu dévalorises maintenant le Dieu qui t'a appelé. Parce qu'un jour, ça se saura. Alors, les gens qui vont chercher la gloire. Je disais hier, après la conférence, pendant la conférence, dans ce que j'ai prêché hier, je disais aux hommes de Dieu qui étaient nombreux ici, je disais, la gloire, ce n'est pas par rapport au nombre de vues. Que vous avez sur Facebook, si, Instagram, WhatsApp, voilà, YouTube. Ce n'est pas par le nombre de vues que vous avez sur Instagram, YouTube ou Facebook. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Non, 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 non. La gloire, c'est quand Dieu te connaît. Amen. C'est quand Dieu te connaît. Regardez, le pasteur, j'ai écouté le témoignage de pasteur Alphonse Mavambo. Je ne fais pas sa publicité, mais je fais la publicité de son Dieu. Yes. Mais cet homme de Dieu, sa femme était morte. Pendant 43 minutes, pendant que la famille, les enfants étaient là, en train de pleurer, ce pasteur, Alphonse Mavambo, qui m'a invité ici à Djobourg, il a prié. Pendant que les autres pleuraient, lui, il a gardé la foi. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, jusqu'à ce que le Dieu de la Bible a manifesté sa gloire, sa femme est ressuscitée. Et depuis que sa femme est ressuscitée, comme il avait dit pendant la conférence, sa femme est devenue, Dieu a mis quelque chose en sa femme, que quand ils vont dans une église, si cet endroit-là est mauvais, la femme a déjà vu. C'est déjà ça la gloire de Dieu. Mais ce monsieur n'est même pas sur YouTube, je ne sais pas s'il a de vidéos sur YouTube. Ce monsieur, sur sa page Facebook, il n'est même pas de choses. Moi encore, je fais des lives. Il ne fait même pas de lives. Mais j'arrive ici, c'est un homme respecté. Vendredi, j'étais ici pendant la conférence, il y avait une affaire de... Il a réussi à réunir 45 ou 43 pasteurs. Le samedi, 39 pasteurs. On a terminé le programme avec une présence de 47 ou 49 pasteurs. Vous voyez, il n'est pas connu, mais la gloire de Dieu dans son ministère est puissante. C'est ça. La gloire doit revenir à Dieu, pas à un homme. Vous voyez, donc tous ces pasteurs-là qui vont chercher des... Comment vous appelez ça en Afrique du Sud? Les Nzangoma. Les Sangoma. Les Sangoma, le fétiche, erreur grave. Et ils seront frappés s'ils ne se repentent pas. Je pense que Jésus revient bientôt. Il est temps qu'ils se repentent. La gloire doit revenir à Dieu. Et comme je dis dans Jean 17, Dieu a donné à tout enfant de Dieu la gloire de Dieu. Et puis, que les enfants de Dieu puissent s'unir. J'ai aimé ici à Djobourg, j'ai aimé comment je vis les hommes de Dieu être un, venir soutenir leurs collègues par rapport à la conférence, c'est vraiment une bonne chose. Mais à cause de la gloire, beaucoup des églises, il y a eu des séparations, des divisions dans les églises. Tellement les pasteurs étaient élevés, son propre fils, si son propre fils commence à prophétiser, ou commence à manifester la gloire de Dieu dans l'église, il devient jaloux, tu dois partir. Il se sépare parce qu'il croit qu'il n'y a que lui qui doit être élevé. La gloire doit lui revenir. On commence maintenant à chercher la gloire par notre propre façon. Non, Dieu nous a déjà glorifiés. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 55, si vous lisez ça à partir de verset 3 jusqu'à 5. Dieu est en train de dire à David, « Voici, j'ai choisi David, je l'ai établi comme témoin en Israël. » Et il dit quoi?
Il est en train de dire, les nations accourront vers toi. Ceux qui ne te connaissaient pas te connaîtront. Oh, mais il faut comprendre cette parole de Dieu. Regarde, puisque Dieu a mis quelque chose en moi, je ne pouvais pas penser, moi, pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu de Lille et d'Aubervilliers, je prierai un jour à Djobourg pour les Zimbabwéens, les Zambiens, toutes ces nationalités-là. Je t'établirai comme témoin dans les nations. Et la Bible dit, je te glorifierai. Ça, c'est Dieu qui dit, je glorifierai mon serviteur. Alors, le Dieu de la Bible témoigne de toi. Il veut te glorifier. Alors, toi-même, tu veux maintenant aller chercher la gloire chez les magiciens, chez les juju makers. Ça n'a pas de sens. Mais pas. Comment peut-on, nous, en tant qu'enfants de Dieu, partant de tout ce que vous avez expliqué, la gloire de Dieu manifestée, le Shekinah of God, comment est-ce que nous, enfants de Dieu, on peut reconnaître qu'une personne a la gloire de Dieu? Comment est-ce qu'il y a? Y a-t-il des indices? Y a-t-il des choses qui démontrent que la personne a la gloire de Dieu? Alors, comment on peut reconnaître que cette personne a la gloire de Dieu? Je pense, comme je disais, l'exemple de pasteur Alphonse. Il y a une autre dimension de la gloire qu'on appelle la réputation. La réputation. C'est tout simplement pour dire que Ecclésiaste 7, verset 1 dit « Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. » Une personne, un homme de Dieu qui a déjà une bonne réputation représente la gloire de Dieu. La bonne réputation vient comment? Par les œuvres. Jésus disait quoi? Croyez au moins par les œuvres. Si vous ressuscitez quelqu'un, c'est la gloire de Dieu. Si vous priez pour quelqu'un et la personne est guérie, c'est la gloire de Dieu. Quand quelqu'un était en captivité et la personne est guérie, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, il faut savoir si toutes ces guérisons-là viennent du monde des ténèbres ou pas. Parce qu'il y a aussi des miracles maintenant, des miracles fabriqués. Voilà. Mais l'exemple typique, reconnaître quelqu'un qui a la gloire de Dieu, c'est déjà par rapport aux œuvres et par rapport à sa réputation. Vous verrez que partout, ça sera un homme ou une femme de Dieu qui a une bonne réputation, qui représente valablement le Dieu qu'il a appelé. En tout cas, merci beaucoup, papa. Notre temps, on s'approche déjà petit à petit à la clôture, à la fin. Mais je sais que vous avez déjà beaucoup, beaucoup de questions à poser. Alors, il y a des détails qui passent déjà sur votre écran. Comment est-ce que vous pouvez nous contacter, même sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et tous les autres, même sur WhatsApp? Parce qu'on veut avoir vos points de vue. Parce que le but de cette émission est de vous instruire. On veut que le peuple de Dieu puisse sortir de l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, comment est-ce qu'on peut acquérir cette connaissance si du moins on n'est pas enseigné? Raison pour laquelle nous avons deux hommes, comme le pasteur Victor qui vient directement de la France parce qu'il veut justement que le peuple de Dieu puisse comprendre. Parce que ça devient comme si une vague, il y a tout le monde qui parle de la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, mais souvent on n'arrive pas à comprendre c'est quoi au juste la gloire. Je sais que partant de l'explication que le pasteur nous a donnée, on a eu à comprendre un peu trop ce concernant la gloire. Mais je sais qu'il y a encore, il est passé encore beaucoup, beaucoup à dire et je sais que quand il sera de retour là-bas en France, avec l'évangéliste Kouka, il va continuer pour dire encore plus. Mais nous voulons juste avoir un mot de la fin. Okay. Si on doit dire quelque chose, s'il y a un message, s'il y a un conseil à donner, qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé au peuple de Dieu? En résumé, je voudrais inviter tout peuple de Dieu et même les païens qui suivent cette émission dans vos maisons. Jésus revient bientôt et acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Vous aurez déjà la gloire de Dieu en vous. Je voudrais faire tout simplement une simple différence. Dans le monde, vous voyez, un sataniste a beaucoup de vues, il a beaucoup de succès, il a la gloire, mais à la fin, il va en enfer. Mais moi, je ne suis pas connu,
je représente la gloire de Dieu. À la fin, j'ai une belle promesse, la vie éternelle. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas flattés par la gloire dans le média ou la gloire dans le monde, mais soyez plutôt flattés par la vraie gloire qui vous conduira à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Si on peut avoir vos contacts pour une personne qui veut vous contacter. Si quelqu'un veut me contacter, mon numéro en France, c'est 06 33 86 30 66. Et l'adresse de l'église à Lille, nous sommes à 77 rue de la Maquellerie, 59100 à Roubaix, Lille. À Aubervilliers, nous sommes au numéro 100, Félix Faure, Aubervilliers, 93 1300, Aubervilliers. Vous pouvez passer quand vous voulez, selon votre endroit d'habitation. Nous avons nos programmes mardi pour les services de délivrance à Lille et jeudi à Aubervilliers. Et vous serez les bienvenus au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen et merci beaucoup. Merci à toi qui as pris ton temps pour nous suivre. On était vraiment bénis par le pasteur Victor et je sais que toi aussi tu as quelque chose à ajouter. Raison pour laquelle on a besoin, on insiste vraiment sur vos commentaires, on insiste vraiment sur vos points de vue parce qu'on cherche à grandir. Toi qui crois que tu connais, la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Alors toi qui as une connaissance, venez ici, homme de Dieu, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre, vous êtes tous les bienvenus sur Pactol TV Johannesburg. Avec moi et mon équipe à la région, nous avons le frère Seth Sumbu et c'était moi, Mama Dorcas Divine Lenvo. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis la sœur Jordi, membre de l'église Arche de l'Éternel des Yvelines et je suis la fille spirituelle de l'évangéliste Désiré Valambona. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter le programme de notre assemblée. Comme vous le savez, chaque année, toutes les églises de l'Arche de l'Éternel se réunissent pour un culte commun. Et cette année, c'est notre église Arche de l'Éternel des Yvelines, conduite par l'évangéliste Désiré Valambona, qui recevra toutes les autres églises qui sont l'église Arche de l'Éternel de Rouen, conduite par le pasteur Jérémy, l'Arche de l'Éternel d'Anières, conduite par le pasteur Nelly, l'Arche de l'Éternel Villeneuve-le-Roi, conduit par le pasteur Alexis, ainsi que l'évangéliste José Kabouya. Et enfin, l'Arche de l'Éternel de Le Mans, conduit par l'ancien Louis. Tous ces responsables ont en commun le père spirituel, qui est l'apôtre Floripan. Le culte aura lieu le dimanche 8 juillet, à Épône, qui est à côté de Mantes-la-Jolie. Pour toutes les personnes désirant se rendre en transport en commun, une navette sera mise à votre disposition à la sortie de la gare. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Beloved in the Lord, Shalom. I am Sister Jessica, member of the Evangelic Church Arche de l'Éternel des Yvelines, and I am the spiritual daughter of the evangelist Désiré Valambona. If I am here today, it's for giving you an important information. Once a year, all the churches Arche de l'Éternel come together for a common worship. So, Sunday, July 8th, we invite you all to come and pray with us. God bless you. Venez nombreux, nous vous attendons pour voir la gloire de Dieu. We are waiting for you to see the glory of God. Boya ebele komona lokumu ya Nzambe. Moto mosusu akolinga kaka n'intérêt.
moto mosusu akolinga motema sanduku kasi na pactole TV bolingo ya solo ya basezote ale yaka na pactole yaka yaka na pactole yaka yaka na pactole yaka yaka na pactole yaka pactole TV yaka pona lokumu yaka oyo ya nzambe yaka pona intere yaka ya bana na nzambe yaka na pactole TV yaka yaka ndenge ezali yaka bakoyamba yo yaka ndenge ezali pona lokumu na nzambe pactole TV pona lokumu ya tata pactole TV yaka yaka kokuka na te yaka na pactole TV yaka 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 oh yes pactole TV cette fois champion. Waouh, c'est super! Florent Musical? Ah oui, ça c'est bon! C'est super! Florent Musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Les chrétiens posent des questions qui restent sans réponse. Parce que ceux qui ont la connaissance n'osent pas en parler. D'accord ou pas d'accord, pour ou contre, les uns diront oui, les autres non. Venez sur le plateau, dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Ne le gardez pas pour vous, osons en parler. Osons en parler pour lever plusieurs équivoques dans la vie des chrétiens. Dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku tala babuti to ku sala makambo. Kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu.
le majestique hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. En attendant la sortie prochaine de son album, Anna, Alain Kabango chante Kabongo Mbaya, un single reprenant les chansons de Kabongo Mbaya. Alain Kabango, le descendant spirituel de Kabongo Mbaya, une production du socle de Renaud Moutima, le cœur, avec Patrol TV. Alain Kabango, l'espoir de la chanson chrétienne en Chikumba. Les meilleurs de tous temps, les meilleurs de tous. Bientôt dans les bacs. Le frère Alain Kabango chante Kabongo Mbaya, un single cadeau en attendant la sortie de l'album Anna. Alain Kabango, vous oublierez tout le monde, mais pas lui, car il a dit, il a chanté Zamumania, Kalenga Mumania. C'est pour très bientôt.